Salut tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo de 2015. Donc nous allons commencer immédiatement avec l'analyse du trailer du jeu vidéo sortant en juin 2015, Batman Arkham Knight. Gotham, this is your only warning. Abandon this city, or I will unleash your greatest fears. Tonight, Gotham falls. A city of fear rises. Donc il est évidemment impossible de ne pas honorer la beauté graphique de ce jeu qui, pour moi, est la première chose qui, dès que ça commence, on voit la beauté graphique du monstre. Donc pour ce qui est de l'histoire pure du jeu, dès les premières images, on sent que le monde a changé et que Gotham est en quarantaine. Et on voit donc la population terrorisée, et on se dit que déjà ça commence mal. Alors par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais la première apparition de Double Face, parce que ça peut spoiler, mais la personne qui est à gauche, le grand à côté du gros là, c'est Double Face. Voilà. Et bah, on se rend compte qu'en fait, il ne se tourne pas trop, il se tourne que jusqu'à sa partie encore normale. Donc ce qui pourrait peut-être insinuer qu'il est là mais pas là, ou que au début ils ont pas envie qu'on sache qu'il est là, mais enfin bon voilà ça. Ce qui est bien cette scène, moi j'ai trouvé, c'est que ça laisse place à pas mal d'idées. Alors par contre, moi j'aimerais beaucoup pouvoir rentrer dans ma bagnole comme le fait Batman. Là c'est la classe internationale, pour pécho c'est génial. Tu risques une fois sur 100, une fois sur 1000 de t'éclater. Mais voilà, au moins c'est classe. Je pense pas qu'on puisse faire ça vraiment dans le jeu. Mais c'est vraiment la classe. Alors, à un moment donné, on voit la voiture de Batman complètement sur le mur, limite retournée à 360 degrés. Et moi, ça m'a fait penser à Mario Kart 8. Alors, est-ce que les mecs de Batman se seraient inspirés des mecs de Mario Kart 8? Peut-être, peut-être. Hein, là, je déconne pas, c'est possible. Hein, on sait pas, c'est possible. Mais voilà, moi, ça m'y a fait penser. Voilà. La musique est absolument géniale, la musique d'ambiance, les scènes coupées comme ça, de manière vraiment régulière, la pluie, tout ça, mais en tout cas la musique donne vraiment une ambiance absolue. La musique c'est quelque chose de très très important, parce que vous pouvez mettre n'importe quelle musique sur n'importe quoi, ça change complètement. Voilà, on va faire un test, là je parle, voilà, là, si je mets cette musique, ça envoie une scène complètement complètement noire en fait, voilà. Donc attendez,
On fait un test. Voilà, là je parle. Ouais, donc aujourd'hui j'ai acheté des carottes et c'était génial. Et donc et ensuite j'ai été faire du vélo avec ma grand-mère. C'est sympa aussi. Voilà, donc là vous rendez compte qu'on est passé entre plusieurs phases d'action. Enfin, vous êtes imaginé plusieurs scènes. Bon, là, je m'en voyais un petit peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Et alors, pour reparler de Double Face, quand on le voit pendant 2 secondes, on voit qu'il a bonne mine. Hein. Je crois qu'il a été au Baléares. Voilà, il a l'air d'avoir pris un bon petit bain de soleil, donc tant mieux. Je pense qu'on va être content de le retrouver et d'aller lui passer un petit bonjour. Il y a également un nouveau méchant qui, pour ceux qui connaissent, ressemble au garde de la reine dans la dernière saison de la web série Le Visiteur du Futur. Voilà, un nouveau méchant, qui est pour moi un nouveau méchant parce que j'ai jamais joué au jeu, donc voilà. Et je ne le connais pas dans les comics, qui me fait penser au garde. Voilà. Alors, à la fin du trailer, à la quasi-fin, on sent bien que Batman termine mal le trailer. Hein. Il se prend limite une balle dans la tête. Mais heureusement que c'est le joueur qui joue, comme ça on va pouvoir lui mettre une petite correction au gardien de la reine. Alors, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que si vous précommandez le jeu, vous pouvez jouer avec Harley Quinn qui, hop, vire le chapeau du policier, la tête du policier, pour le mettre sur sa tête. Voilà. Donc voilà, ça peut. Enfin, en tout cas, c'est sympa de pouvoir avoir vraiment une récompense, bon, virtuelle, mais une récompense vraiment bien de. Quand on. Si on précommande le jeu, en fait. Alors pour conclure, donc moi j'ai beaucoup aimé ce trailer. C'est des trailers américains officiels de PlayStation. C'est pour ça qu'on voit PS4 en bas à gauche. C'est pas toutes les consoles là, c'est juste celui de PlayStation. En anglais, comme vous avez pu le constater, il n'a rien à voir avec celui en français. J'ai regardé les deux et waouh, je me suis dit je peux pas vous montrer ça. Ils vont me tuer là. C'est mou, c'est bon, les images sont à peu près les mêmes. Enfin bon. Le trailer américain, enfin celui de Sony, donc japonais en l'occurrence, était vraiment mieux. Donc là, je me suis dit, c'est bien comme ça. Donc, moi j'ai beaucoup aimé ce trailer, le jeu a vraiment l'air excellent. Il va être excellent, je vais me l'acheter. Donc il sort en juin 2015. Il n'y a pas de date précise, ou peut-être qu'il faut chercher, je sais pas. Moi j'ai pas cherché précisément, donc si ça vous intéresse, allez chercher. En tout cas, ce sera juin 2015. Petite nouveauté, à partir de maintenant, je vais mettre des notes, enfin une note, pour chaque trailer dont je parlerai. Donc je vais pas faire ça pour. Enfin, je vais pas donner une note au trailer d'Avengers 2, mais on va commencer à partir de celui de Batman Arkham Knight. Alors, pour tout ce que je viens de dire tout au long de cette vidéo, donc la beauté graphique, l'ambiance, la voiture, les cascades, les combats, j'en ai pas parlé, mais aussi, enfin, excellent. Puis vous avez sûrement trouver d'autres choses, les méchants, Double Face, tout ça. Je pense, personnellement, hein, je pense que ça vaut bien un 18 sur 20, ce truc. Je pense vraiment que ça vaut un 18 sur 20. Le trailer, hein, pas le jeu, entendons-nous bien. Donc voilà, 18 sur 20 pour ce trailer, et j'espère que le jeu sera satisfaire nos attentes de joueurs. Voilà mes petits amis, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc comme prévu, vous pouvez vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux, et partager cette vidéo à travers le monde et la galaxie, puis mettre un petit pouce, voilà, je sais bien que dans vos poches, il y a des pouces qui se baladent, donc allez-y, mettez-en un, prenez-en un bleu, parce que je sais aussi que vous avez des verts, des rouges, les rouges, mangez-les, faites ce que vous voulez, moi, je savais pas, des jaunes aussi, mais voilà, mettez les bleus, et puis laissez un petit commentaire pour savoir ce que vous avez pensé, et ce que vous ferez de ce jeu, peut-être que vous allez le manger avec les nains de la montagne bleue du Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Super Will. Bonne journée, bonne soirée, bonne après-midi, en fonction de quand vous regarderez, pardon, cette vidéo. Et à très 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 bientôt, bon courage !